Dieu dit qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui a fait une promesse à Dieu de t'aimer pour toujours. Dieu veut que tu saches que cette personne a fait un engagement sincère de te valoriser et de t'aimer pour toujours. L'amour est une force puissante qui unit les gens de manière profonde et significative. Lorsque quelqu'un fait une promesse à Dieu en ton nom, cela signifie un engagement profond et inébranlable. C'est une promesse de dévouement et une affirmation que son amour pour toi est éternel. Cette promesse ne doit pas être prise à la légère. C'est un lien sacré basé sur l'amour et le respect inconditionnel. Ta connexion avec la conscience angélique t'a apporté un message céleste. Abonne-toi à notre chaîne si tu crois en la conscience divine qui te protège et guide. La personne qui a fait cette promesse, Dieu, reconnaît ta valeur et voit la beauté en toi. Ils ont promis d'être à tes côtés dans les bons moments et les mauvais, en t'offrant de l'amour et du soutien. Dieu veut que tu comprennes l'importance de cette promesse. C'est un témoignage de la profondeur de son amour et de la signification de ta présence dans sa vie. Son engagement à t'aimer pour toujours est un reflet de l'amour divin que Dieu a pour chacun de nous. Écris 11-11 si tu crois en cela et clique sur cette vidéo si tu crois en Dieu. Cette promesse ne garantit pas que la relation sera exempte de défis ou de difficultés. L'amour, tout comme la vie elle-même, a ses hauts et ses bas et ses moments de rire, mais la promesse de t'aimer pour toujours signifie que cette personne traversera les tempêtes à tes côtés. Ils prendront ta main, t'écouteront et t'offriront un soutien inébranlable, quelles que soient les difficultés qui se présentent. Il est important de valoriser et d'apprécier cette promesse. Les relations demandent de l'effort, de la compréhension et du pardon. Accepte l'amour que cette personne a pour toi, rends-le avec gentillesse, compassion et gratitude. Communique ouvertement et sincèrement et apprécie les moments que vous partagez ensemble. Parfois, des doutes peuvent surgir dans ton esprit et te faire remettre en question l'authenticité de cette promesse. Mais Dieu veut que tu aies confiance en l'engagement de cette personne. Confiance en ses paroles et en ses actions et laisse son amour remplir ton cœur de chaleur et de sécurité. Il est également important de se rappeler que cette promesse ne signifie pas que ton bonheur dépend uniquement de cette personne. Chaque individu a son propre chemin et sa propre raison de vivre. Bien que son amour soit un aspect merveilleux et précieux de ta vie, ta propre félicité et ton propre épanouissement viennent de toi-même. Dieu veut que tu embrasses ta propre valeur et que tu reconnaisses que tu mérites de l'amour, du respect et du bonheur. Cultive l'amour propre et prends soin de ton corps et de ton esprit. Quand tu prends soin de ton bien-être, tu peux pleinement apprécier et rendre l'amour que cette personne a pour toi. De plus, Dieu veut que tu comprennes que
Cette promesse est un rappel de l'amour éternel et de la grâce de Dieu répandue sur toi. L'amour de Dieu est illimité, inconditionnel et dépasse la compréhension humaine. Que cette promesse soit un symbole de l'amour divin qui t'entoure. Aie confiance en le temps de Dieu. Si cette personne est destinée à entrer dans ta vie, ou si tu ne l'as pas encore identifié, aie confiance en le temps de Dieu. Dieu sait ce qui est le mieux pour toi. Il orchestre des moments et des rencontres parfaites dans ta vie. Sois patient et aie foi que cette promesse se réalisera en temps voulu. Fais confiance en Dieu si tu as confiance. Dieu veut que tu saches que tu es le bénéficiaire de bénédictions divines et que ta vie est remplie de dons et de grâces au-delà de la mesure. L'amour et le soin de Dieu pour toi sont infinis et Dieu a choisi de te baigner de bénédictions, reconnaissant ta valeur inhérente. Chaque bénédiction est le reflet de la grâce de Dieu et un témoignage de la place spéciale que tu occupes dans le cœur de Dieu. Rappelle-toi que les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées, elles sont abondantes et illimitées, elles ne sont pas destinées à être accumulées, mais à être partagées, diffusées et multipliées. Quand tu acceptes les bénédictions de Dieu, avec humilité, tu reconnais qu'elles sont un témoignage de la grâce et de la générosité divine. Dieu t'aime éternellement. Écris Dieu 8 pour recevoir l'amour de Dieu et réclame-le maintenant. J'ai un message urgent pour ton cœur. Je t'aime sincèrement et tu comptes beaucoup pour moi. Même si tu t'éloignes, mon amour persiste. Je te chercherai, peu importe la profondeur du puits. Je te sauverai pour que tu ressentes mon affection. Il n'y a pas de mots dans l'univers qui puissent décrire ce sentiment saint, beau et éternel que j'ai pour toi. Je ne t'abandonnerai pas, tu es important pour moi, et mon engagement éternel est de te tenir dans mes bras tous les jours. Je t'attends tôt dans ma présence, où tu trouveras la force et le réconfort pour faire face aux défis sur ta route. N'oublie jamais que mon amour est inconditionnel, immuable et éternel. Même si les autres t'abandonnent, je serai toujours à tes côtés. Reconnais la profondeur de mon amour pour toi. Désires-tu l'amour de Dieu dans ta vie? Écris « Amen » si tu acceptes cet amour divin. Et clique sur cette vidéo pour recevoir la bénédiction de Dieu. Sois béni et rempli d'amour éternel.